Hey les amis, nouvelle vidéo sur notre let's play. Aujourd'hui ça va être le grand jour, on va dire ça. Je vais vous donner la map, donc le lien sera en description, je le dis dès le début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si jamais vous voulez tout simplement avoir la map, hein. Vous m'avez beaucoup demandé ça dans tous les épisodes du let's play et ça fait longtemps que je n'ai pas tourné d'épisode tout simplement. Donc ça c'est parfait pour vous, vous aurez la map. Et deuxième petite chose, je vais essayer de faire un peu plus des montages dynamiques, essayer de faire un peu plus des montages un peu plus pro pour les vidéos tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre avec ce style de montage, etc. En tout cas voilà, on est parti aujourd'hui pour un petit épisode assez court du let's play. On va ranger 2-3 petites choses, on va avancer un peu ça, on va avancer un peu le bâtiment qu'on avait commencé justement. On va mettre le toit, on va faire l'intérieur, etc. déjà décoré. Et ensuite, on sera pas mal, du coup, et on pourra continuer le let's play tranquillement, malgré que MCPE devient vraiment très lassant, je peux vous le dire. Pour le moment, MCPE devient un peu saoulant. En tout cas, normalement, on devrait... je vais bientôt faire peut-être une vidéo avec un YouTuber pour parler un peu de MCPE, pour un peu, on va dire, faire un mini-podcast, un peu déliré sur le jeu, parler des avantages, etc. En tout cas, c'est une vidéo qui va arriver, n'hésitez pas à me demander des propositions de vidéos dans les commentaires. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce début, du coup, on peut commencer. Donc les amis, on s'était l'autre fois, on s'était laissé, pardon, l'autre fois sur l'hôtel de ville. Alors, vous m'avez dit aussi que le micro, il y avait des pop. Comme ça, c'est parce que j'étais un peu trop proche du micro et que je l'avais mis assez fort, du coup on va essayer de s'éloigner. Donc je ne sais pas si depuis le début de la vidéo vous entendez ça. En tout cas voilà, hôtel de ville, ça va être parti. Ici il fallait tout simplement mettre encore de la granit, non c'était pas de la stone, donc c'était comme là-bas tout simplement, juste ici, hein, hop. Donc juste ici, donc on s'était laissé ici sur ce bâtiment. On avait fait l'hôtel de ville, on avait fait l'entrée comme ceci, justement. Il nous manquait encore quelques vitres, d'ailleurs je ne sais plus où j'en étais ici, voilà, j'avais les vitres, hop, hop, voilà, et c'est tout ce qu'il manquait, du coup c'était parfait. Et là on pouvait commencer à décorer. Du coup ce que je vais faire, c'est que dans le fond ici, je vais faire une espèce de cabine. Alors on va faire ça, je ne sais pas comment, on va faire ça comme ceci, hop, hop. Voilà, donc déjà, je pense que je vais dormir et préparer le matériel. Du coup, nous revoilà les amis. Donc déjà, j'ai été chercher une porte. Donc il faudra déjà au moins mettre une porte. Du coup, celle-là m'a l'air plutôt pas mal. Et on va juste recouvrir comme ceci. On va faire une simple porte, tout simplement comme ceci. Et peut-être qu'il me faudra après, on prendra des... comment ça s'appelle ? Des cadres, tout simplement, pour mettre des torches. Comme ça, ça fera une belle entrée assez décorée. Avant de mettre la porte, par contre... hop, comme ceci, voilà, ça, on n'a pas besoin. Du coup, vous voyez les nouvelles animations de la mise à jour. Je ne sais pas comment je dois la trouver, ça a l'air assez dérangeant par contre, cette nouvelle animation, pardon. Du coup, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, si jamais, de ce que vous en pensez, tout simplement. Alors ici, on va faire peut-être un truc assez spécial. On va faire des espèces de... comme si c'était un hôtel de ville, tout simplement, où vous devez vous inscrire pour entrer dans la ville. Donc ça, ça va être ici. Donc on aura un peu les... ok, je vois comment on pourrait faire. Ok, du coup. Voilà, on va faire ça comme ceci. Hein. Hop, on va... ouais. On va arrêter ça juste là. Donc on va faire ça comme ça. Comme ça. Voilà. Hop, voilà. C'est plus simple. Pareil pour... oh non, ok. Pas dans ce sens-là. Pareil pour ici. Toujours raté. Voilà. Et voilà. Ok, ça en est parfait. Ça, on va le mettre dans... hop, à l'endroit. Et ça, pareil, dans le bon sens. Du coup, comme ceci. Du coup, c'est parfait. Quand on rentre, on a ça. Ok. C'est plutôt parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vitre ici. Et on va espacer de 1. Alors, attendez. Ça ici, il faut qu'on monte. Hop, comme ceci. Voilà. Pareil pour ici. Donc après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera ici. Pour le moment, on va juste s'occuper de ça. Du coup, ici, ce qu'on va mettre, c'est ce type de bois.
Est-ce que ça pourrait aller? Ça pourrait être pas mal. Ok, on va mettre ça. Hop, comme ceci. Pareil. Hop, jusqu'en haut. On ne sait pas jusqu'où on va aller, tout simplement. On met ça là. Voilà. Aïe, ok. Et du coup, ouais, ici, on doit casser cette vitre-là, pardon. Et hop, comme ça. Ouais, ça pourrait être plutôt pas mal. Et on va essayer de faire ça sur à peu près tout le long. Tous les 1, comme ceci. Voilà. Ici, on va juste casser pour mettre une porte pour les employés. Hop, comme ceci. Donc ici, il y aura un mur vide, tout simplement. Et donc, on va déjà installer notre porte. Donc, on va mettre aussi une porte comme celle-ci. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a encore du bois, du dark? C'était du quoi, celui-là? J'oublie carrément les noms. Du dark oak, ok, d'accord. C'est du dark oak. Du coup, on a ça ici. Hop, voilà. Hop, et hop. Comme ceci, voilà, c'est parfait. Je me disais peut-être que à cet endroit on pourrait mettre une barrière. Donc ça, c'est à vous de voir. Hop, dans les commentaires, peut-être que vous pouvez m'aider à faire tout ça. Ici, on va faire quelque chose de différent. On va faire ça. Hop. Et hop, donc il nous en manquera juste un seul. Du coup ici, des vitres. Et là, ce sera quelque chose de plus grand. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme ceci, ça m'a l'air déjà plutôt pas mal. Ensuite, est-ce qu'on a, on a des escaliers en dark oak? Est-ce que ça passe si on met des escaliers en dark oak à chaque guichet? On va appeler ça comme ça. Ici, ça sera aussi fermé, bien évidemment. Non, faudrait un peu une différence de couleur. Du coup, on va mettre ça en, dans l'autre bois. Donc, c'est en spruce, tout simplement. Donc, ici, on a spruce. On va faire ça avec la table de craft. Donc, on va tester ceci avec, hop, les escaliers en spruce. Du coup, ah non, mais du coup, ça va avec le sol là. Alors, ouais, non, c'est pas très très bon. En tout cas, ici, hop, j'ai fait, hop, ceci. Donc, le bois qui est resté ici, voilà. Ok, non, ça, non, par contre. Hop. Donc, le spruce, ça va pas, vu que c'est le sol qui est en spruce. Du coup, ce qu'on peut faire, avec les escaliers ici en dark oak, on peut les mettre ici, comme fauteuil d'attente. Voilà. Donc comme siège d'attente, on va les mettre un peu partout. Et également ici. Donc ici, on va juste mettre une petite table qu'on mettra après. Ou peut-être des enclumes, etc. Par contre, il nous fallait, ouais, ici, ceci. Du coup, hop, enfin, avec ça. Voilà, c'est parfait. On va mettre la suite, comme ceci. Voilà, et du coup, on va faire nos escaliers en bois classique. Ça lag un tout petit peu. Hop. Et hop, donc ça lag un tout petit peu parce que j'ai un peu changé les réglages d'enregistrement, donc du coup ça doit être de meilleure, un peu de meilleure qualité. Hop, donc on va passer de l'autre côté. Non, voilà, hop, comme ceci. Donc là et là, pareil de ce côté-ci, là, là et là. Donc ça, ça va plutôt bien. Du coup, ici on mettra des petites pancartes sur les côtés. Et certains endroits, non, des pancartes, ça va un peu gêner. Ça dépend ce qu'on mettra. On verra, tout simplement. Donc là, on est déjà plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on devait faire encore? On va essayer de faire des barrières. Des barrières, ça serait déjà sympathique. Pour ici, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Tout simplement, on va essayer de faire ça. Des barrières en... Du coup... En spruce, ouais, on va voir ce que ça donne. Hop, mais du coup, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc, mettre des guichets ouverts. Donc, ceux-ci sont ok. Alors, attendez, la porte elle est ok. La porte était ici.
Ça pourrait être plutôt pas mal. Ouais. Donc ça, dites-moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai pas vraiment d'idée pour ça. J'attends vos réponses pour faire un peu pour vous faire participer à la série, tout simplement. Du coup, il nous faut un peu de stick comme ceci. On peut faire encore hop 4, 3 comme ceci. Voilà, ça on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Du coup, juste ici, hop, petite pancarte, on va quitter. Et pareil ici. Et ici, hop, on va mettre du spruce. Ah, mais c'est déjà un spruce, c'est ça. Ok, ok, j'avais oublié qu'on avait fait encore le sol en spruce. Du coup, il faut faire ça en dark oak. Comme ceci. Et pareil, des petites barrières pour faire la table en fait. Hop, voilà, 6 directement. Comme ça, on fait notre petite table ici. Il nous faut tout simplement, hop, une plaque de pression. Et on va faire ça bien. Voilà, c'est plutôt assez parfait. Hop, comme ceci. Ici, on va pouvoir mettre un petit tapis. On va pouvoir mettre d'autres escaliers. En spruce, non. Il faut que j'aille chercher du dark oak. Donc, j'ai ramené un peu ce qu'il faut. J'avais pas mal de stuff dans mes coffres, tout simplement. Donc le tapis ici, alors je ne sais pas si on va le mettre ici et en faire 4, on va voir. Donc j'ai déjà récupéré un peu le tapis qu'on avait fait sur le sapin de Noël là à Noël, donc le dernier épisode ça datait un peu près de là, tout simplement. Du coup, alors on avait les dark oak ici, on va terminer par ça les amis pour avoir fait un petit court épisode juste pour vous donner un petit peu la map. Hop, et reprendre en douceur le let's play, ceci, voilà. Et du coup, on va encore faire 2-3 sièges d'attente qui se trouveront un peu ici. Celui-là, on va le faire un peu plus grand. Voilà, du coup, ça peut être plutôt pas mal. On va, hop, comme ça, refermer ceci. Pareil ici, voilà. Et ici. Ok, on est bon. Et là, ok, c'est parfait. Du coup, je pense qu'on est plutôt pas mal. Pour le moment, on est plutôt bien. On va mettre, hop, des petites torches comme ça, aucun souci de d'éclairage pour le moment. Et du coup ici on va pouvoir commencer à boucher donc le haut. Non, on va boucher sur un étage au dessus et je ferai ça hors caméra, comme ça je vous montrerai. Donc les amis, j'ai fait ça un peu hors caméra et pour finir j'ai mis du spruce, comme ça ça allait bien. Sinon si on mettait que de l'oak normal, ça allait faire vraiment un truc tout moche. Donc j'ai mis un peu du spruce et vous voyez ce que ça donne, ça rend plutôt pas mal pour le moment. En tout cas ici j'ai un peu ramené, hop, une petite bibliothèque pour pouvoir tester encore 2-3 petites choses, mettre des bibliothèques etc. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous aimez, ce que vous préférez comme chose à faire tout simplement. Donc ça peut rendre pas mal, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être ici on va mettre des tapis juste devant chaque truc. Hop, ça pourrait être plutôt pas mal. Et ici encore je dois finir tout ça. Et ensuite on fera l'étage au-dessus. Du coup on mettra des escaliers, peut-être là, des escaliers en colimaçon à la place de la table. Donc c'était juste en attendant tout simplement. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé ce retour sur le let's play avec la map qui sera en description, avec tout simplement cette hôtel de ville tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était iPodGamer172. Allez bye tout le monde, ciao. I'm gonna go get some more.